Hey Yomina, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est Maître Dragon pour un let's play de Naruto Storm, premier du nom. Alors, je m'en souviens que à l'époque, avec mon Avermedia, enfin voilà, on va mettre comme ça. Ah bah merde, je peux pas pour... Parce que logiquement, ça va remettre sinon l'intro. Alors, je suis en train d'aller sur ma chaîne, mais mon premier Naruto que j'ai fait en let's play, c'est Naruto Storm. Et je vais regarder dans ma playlist. Attendez 2 secondes. Parce que mon premier let's play sur Storm 1 date. Hein. C'était Naruto Storm premier du nom. Alors si j'arrive à retrouver, si je retrouve pas c'est pas grave. Mais il date énormément mon let's play là-dessus et... Je peux vous dire que j'ai passé un très très bon moment sur ce jeu. Alors attendez... Si j'arrive à retrouver... Alors le jeu il date hein, par contre, je tiens à préciser... Alors, pour ceux qui veulent savoir, le Naruto Storm 1 est sorti en novembre 2008, hein, je tiens à préciser. Quasi dans les débuts de la PS3. Quasi dans les débuts de la PS3. Quasi à ses débuts, ce jeu est sorti. Pour ça, je dis que c'est ouf. Hein. Je trouve qu'à l'époque, c'était un très bon jeu. Le truc qui manquait. Le truc qui manquait, c'était le online. On n'avait pas de online. Voilà, c'est ce qui manquait à ce jeu, c'était le mode online, carrément. C'est pour ça que je suis en train de regarder pour vous quand j'ai commencé ce let's play. En cas que vous voulez savoir à quoi ressemblait la qualité à l'époque que je faisais, qui était pas ouf, il y a une playlist de Naruto Storm. Alors là, je suis sur le let's play de Naruto Storm 3. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à retrouver. Ah, si j'ai trouvé Naruto Storm. Donc, j'ai à l'arrache, hein, je prends un épisode. C'était en 2014. Voilà, c'était en 2014 que j'avais commencé à lancer. Le let's play de Naruto Storm, premier du nom. Bon, cette intro, elle déchire, hein, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est en anglais. Il va falloir qu'on modifie ça juste après. Donc, on fait nouveau. Ah, je déteste l'anglais. Ah, ceux qui me connaissent, l'anglais, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas. C'est le shaitan. Pour moi, c'est le shaitan. Mode option. Son japonais, sous-titres, oui. Alors, est-ce que ça a enregistré? Japonais. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Alors, si je retourne dans le menu, ça me fera un Naruto Storm encore mieux que le truc en anglais qu'on s'est tapé qui est tout pourri. On va arrêter ça. Écoutez ça. Oh, le Rasengan qui est arrivé. Ah, oh, c'est jouissif! Allez, on y go. Alors, j'ai mis nouveau. Alors, est-ce que c'est dans le mode nouveau, ça a sauvegardé? Oui, en fait, c'est nouveau parce que je viens vraiment de commencer, donc ça passe. Vu que j'ai pas réellement créé de sauvegarde actuelle. Donc, on va faire directement le mode mission ultime. Donc, en gros, c'est mode histoire. Hein. Il y a le mode option, le mode combat libre. Et le mode mission ultime, comme je vous ai dit, il n'y a pas de mode online à cette époque. Naruto n'avait pas fait de mode online et c'est ce qui est dommage. Ça aurait été encore, franchement, un très bon jeu, encore mieux que ça l'est. Malgré qu'il a des petits défauts. Ah oui, non mais tout jeu a des défauts. Et lui, il en avait quand même. Donc ça, je vous le dirai quand on avancera dans le jeu.
Sono Kitsune. Koko no Tsuno o Hatsu. Sono Ko. Ichiro Furaba, Yama Kuzure Tsunami Toshi. Kore ni koujite hitodomo, Shinobi no Yakara o Atsumeke. Wazuka hitori ga Shinobi no mono. Seishi o kake kore o fuuin seshimeru ga. Sono mono, Shini keri. Sono Shinobi no mono. Nao, Yondaime Hokage to yoshi. しかし、お前もついに下忍か。ようやく大活躍する時が来たってばよ。始まりの忍法帳、ドタバタ忍者、渦巻鳴門登場。はあ、早くいろんな任務をやりてえな。あのな、大変なのはこれからなんだぞ。任務では失敗は許されない。 重い責任がつきまとうんだ。お前は昔から危なっかしいやつだからな。俺は心配で。イルカ先生。ん？俺ってば、もうコノハの忍びなんだぜ。いつまでもイルカ先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは、火影への道を全力で突き進むだけだってばよ。 その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよ、マルト。 En mode mission team, vous dirigez Naruto et accomplissez différentes missions dont les combats et des mini-jeux. Les missions sont accessibles via la liste des missions du menu principal. Donc touche pavé tactile, c'est pour le reste, ok. Donc voilà, comme vous voyez, donc là on a le canon Naruto, donc voilà, lors du contrôle libre, appuyez sur triangle pour franchir de longues distances rapidement avec le canon Naruto. Voilà, puis appuyez sur croix pour sauter, si vous heurtez, donc oui, voilà. Si je fais ça, imaginons... Ça a balancé mon clone. Mais on peut se prendre aussi un mur. Là, on peut, imaginons, se vautrer comme une merde. Voilà. Donc là, à savoir qu'on peut se vautrer comme une merde. Donc voilà, là, c'est des objets destructibles. Alors, pavé tactile. Donc, on voit qu'on a le pavé tactile. Là, sur, on a donc la map. Appuie sur la touche pavé tactile pour passer du radar à la carte du monde.
Certaines commandes sont inutilisables lorsque la carte du monde est affichée. Les formations et les lieux d'émission sont indiqués sur la carte par des icônes. Voilà, vous voyez, on a des informations. Des points de sauvegarde, c'est tous les petits trucs là. Alors, juste en haut, là, oui, là, on a Mickey. Oui, c'est Mickey, donc Google. Et donc, on a des informations. Donc, on va aller voir déjà les informations. Alors, ce jeu peut être très court quand on le connaît par cœur, hein, je tiens à préciser. Et pour ceux qui se demandent, ah, mais est-ce que tu vas faire le Storm 1, 2, 3 et 4? Alors, 1, 2 et 3, je vais les refaire. Le 4, je l'ai pris aussi, je l'ai. Alors, je tiens à préciser, donc, je ne sais pas jusqu'à quand dure la promo. Mais au moment où je vais sortir cette vidéo, allié encore, il y a la promo de Naruto Storm Legacy à 15€ qui contient Naruto Storm 1, 2 et 3 et 4 au Loto Boluto. Voilà, je tiens à préciser, c'est pas un coup de pub, c'est comme ça. Alors, parlez. Oh, Naruto, je te cherchais justement. Je peux te demander un service? J'ai besoin de ton aide. Oui, vas-y. Eh, désolé, c'est à propos de nouilles. Oui, quelle surprise, hein. Je réfléchissais à de nouvelles recettes et je me demandais si tu pouvais m'apporter des ingrédients intéressants. Si tu trouves des ingrédients qui ont l'air intéressants, apporte-les-moi ici. Je ferai un test. Ok, donc ça, t'es... Naruto peut manger des nouilles pour augmenter son chakra maximum. Quand tu auras les ingrédients, apporte-les-moi. Fais de ton mieux, Naruto. Kapate, Naruto. Ok, nouvelle mission de rang S. Déjà, le rang S, c'est pas ce qui me... ce qui m'intéresse. Hein. Liste des missions. Comme tout bon ninja, on devra commencer par les plus pourris. Les missions... de rang D jusqu'à les... Mais même les rang D, je crois qu'on n'a même pas accès pour l'instant. Non, il faut faire les missions... Ah, c'est le chapitre entraînement. Donc voilà, là il y a des chapitres et là il y a des missions. Exercice de survie. Eh ben Naruto, apprenti Genin et ses camarades Sasuke et Sakura formèrent l'équipe 7. Supervisé par le ninja supérieur Kakashi-sensei. Les trois furent soudainement invités par Kakashi à procéder à un combat d'entraînement. Bah oui, bon ça donne aucun XP parce que vu que c'est l'histoire là. Mais on y va. Mission acceptée. Ah, obligé. Je suis enfin devenu un Genin et j'ai rejoint les membres de mon équipe, la belle Sakura et le très énervant Sasuke. Le ninja supérieur qui nous supervise est Maître Kakashi. Écartez-vous de mon chemin et ne me ralentissez pas. Bon, on vient à peine de se rencontrer, Maître Kaka... on vient à peine de rencontrer Maître Kakashi et il nous demande déjà de faire un exercice de survie. Et c'est l'occasion rêvée de montrer ma puissance, vous allez voir. Gagner la bataille et mode donc éveil inutilisable. Donc là on va carrément se taper un combat. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas la saga Naruto Storm, vont savoir comment se déroulent les combats dans Naruto. La vie de ma mère, je vais te bouillave. Ok. Donc ouais, là Kakashi je l'enchaîne et je me déchaîne. Bon pour l'instant ça va, tout se passe bien. Ah si on peut tenter de faire une prise au corps ce serait pas mal. Voilà, ça c'est la prise au corps. Mon ninjutsu donc c'est ça. C'est en mode full match shuriken. Donc on a différents combos, les combos du bas, donc c'est celle-là. Le combo sur le côté qui est celui-là. Et normalement t'as le combo du haut. À moins qu'il... Est-ce qu'il y a un combo du haut? Voilà. Bon j'allais dire le combo neutre, mais ça servira à rien vu que Kakashi il est vaincu. Voilà. Mais il y a plusieurs combos donc... Bon, comparé au Storm 2 et 3 et 4, c'est un peu moins varié, mais ça reste dans le même système, quoi. Bon, on a gagné tranquillou, c'est le premier combat. En même temps, ça m'a permis de revoir les touches, parce que là, j'étais un peu paumé. Vu que j'ai pas changé les touches de la permutation. Oui, on peut choisir ses propres touches. Hein. Vous pouvez les modifier, et je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, je vais être un peu
paumé. Ben, après, les permutations, c'était pas pareil avant. Comparé à maintenant, les permutations, ça demandait quand même un bon timing, un bon skill. Comparé à maintenant. Oh, secret apparu dans le niveau. Donc, il faut, voilà, en réunissant des missions, des rôles secrets apparaissent dans le village. Collectez ces rouleaux et apportez-les à Maître Iluka pour échanger contre des objets permettant d'apprendre des ninjutsu de soutien. Voilà, et donc la base de diorama ajoutée à la collection. Obtenez des bases de diorama en ressuscitant des missions souvenirs, des objets de collection sont associés à chaque base. Les sacs d'ingrédients contiennent des objets utiles pour moi et utiliser Shiraku. Voilà. Après avoir réussi une mission souvenir, un personnage d'info, mission apparaît parfois dans le niveau. Donc voilà, là on a plein de trucs qui sont apparus. Toucher une corde pour y grimper automatiquement. Ouais, ben là je suis... Attends. Ah, il y a un truc qui est caché ici. Voilà. On peut le tenir et le placer quelque part qui ouvrira la porte. Ici, c'est lourd, sa mère, pute. Voilà. Ça m'ouvrira logiquement cette porte-là qui me permettra de choper du poulet pourri Shiraku. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Pour grimper, voilà, il y a plus simple, c'est ici. Maintenant, je viens d'y voir. Et quand vous voulez faire des endroits, voilà, quand il n'y a rien, là, on peut aller de l'autre côté du toit. Voilà, il faut utiliser le canon Naruto à sa guise, et surtout un bon escient qui permettra de vous amener vers des beaux endroits. Là, il y a trois quêtes ici, donc on va essayer d'aller voir les gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Eh, frère! Enfin, c'est... Ouais, t'as l'air d'être plutôt d'être un mec, hein. On dirait. C'est Citerne. Je pensais mettre quelques fleurs dans ma chambre. Trois fleurs rouges feraient l'affaire. Oh, bon sang, les fleurs rouges seraient magnifiques dans ma chambre. Qu'en dis-tu? Tu vas bien partager avec moi? Tu vas vraiment m'en donner? Comme c'est gentil. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ma chambre sera super maintenant. Alors, j'ai eu des fleurs rouges sans savoir où je les ai eues. Un objet. Patmania. Oh! Itatakimas! Datebayo. Alors, attends. Là, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un sur le toit. Ok. Dommage, je n'ai pas la... Le matériel adéquat pour les outils ninja. Il me faut juste encore 3 fleurs bleues. Quelqu'un en a peut-être. Ah, j'avais presque ce qu'il me fallait pour... Ok, donc nous, il faut des fleurs bleues pour Mister. Pour Monsieur. Ah bah non, c'était toi le monsieur qu'il faut parler. Aucune grande guerre n'a éclaté depuis un moment. N'est-ce pas paisible? Il faut remercier nos ninjas. C'est eux maintenant, la paix. Qui maintiennent la paix. Donc non, c'est pas toi qui me permet de grimper là-haut. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va trouver un endroit pour grimper sa mère. Alors, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais ça s'est allumé. Voilà. Ça fait du flouze. Alors, on disait qu'il y avait des rouleaux qui sont apparus. Donc on va aller les chercher. Mais j'aurais aimé... J'aurais aimé vous montrer... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mode visée shuriken. Voilà, ça que je cherchais. Et comment on attaque? Ah. Voilà. 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 On récupère tous les parchemins pour Maître Iluka.
Enfin, pour Olivia Sensei. Alors, par contre, toi, ta mère, tu vas pas me casser les... Ah, tu vas pas me casser les houilles, hein. Je sais pas d'où il les sort, mais il doit les sortir de son slip. Hein. Les shurikens, hein, parce qu'il en amasse, hein. Voilà. Donc, on a tout. Alors, ici, il y a des trucs, hein. On est d'accord. Il y a un truc d'information, donc on va aller voir ce qu'il veut, lui. Ici, vous pouvez vendre des objets à échanger. Insectes que vous avez obtenus pendant l'émission. Si vous en avez trop, venez le vendre ici. Ok, j'ai pas d'insectes pour l'instant. Mais j'y penserai la prochaine fois. T'inquiète, frère. Voilà, histoire d'aller un peu plus rapide. Hein. Ici, vous pouvez vendre des objets, des fruits que vous avez eus. Sauf qu'au enfin, au début, on n'a rien. Donc là, c'est quoi? C'est qui qu'il faut vendre? C'est quoi? Des champignons. Non, j'en ai pas. Désolé, mon frère. Ça, c'est des échanges. Donc ça, c'est Iruka. Il y a encore des rouleaux là-bas. Alors ouais, c'est le Naruto, vraiment le unique Naruto open world, hein, comme on peut dire. Enfin, mini open world, hein, où tu peux vraiment te balader dans Konoha, faire ce que tu veux. Et c'est ça que j'adore sur celui-là. Malgré qu'il, comme on pourrait, je vous ai dit, il a quand même des défauts. Mais ça peut être bien. Pourquoi toi je peux te parler? Dommage, je n'ai pas le matériel adéquat pour les outils. Il me faut juste 3 fleurs bleues. Ah, j'avais presque ce qu'il me fallait. Ah, donc c'est pour dire que lui, on peut lui passer les fleurs bleues. D'accord. Ok. Donc ça, y a pas de souci. Il y a quelqu'un là-bas. Donc on va aller là-bas. Au début, ça va être long parce qu'il va falloir parler à toutes les personnes qui nous donneront des missions pour ensuite, après, commencer à bien avancer. Ah, même, je crois qu'on peut commencer peut-être continuer à avancer. Faut que je regarde. Je vais juste parler à la demoiselle. Mes parents ne me lâchent pas avec l'or, mais quand vas-tu te secouer et devenir Chunin? La vie est rude quand on est toujours pressé. On est bien mieux à prendre son temps pour bien faire les choses. Nouvelle mission de rang D. Ah, tu vois, ça... Ah, là, là, ça... Frère, tu putes yep. Là, c'est bien, là. Liste des missions. Alors... Vous ne pouvez pas effectuer une mission si le nombre de points d'XP mission indiqué en haut à droite de la liste des missions est inférieur. Ok, donc c'est XP mission, il en faut 5. J'en ai 0 sur 999. Et donc si je fais la mission de rang D, là j'ai des missions. Là, là on commence à nous plaire là. Alors, soyez calme et sans hâte, c'est pas un acquis. Prenez le temps de prendre des décisions profondes. Jouez pendant au moins 2 heures. Mais frère, je vais aller, c'est juste allumer ma console et puis je m'en bats les couilles. Donc là, vous savez que c'est des petits trucs comme ça. Attends. Durée du jeu restant, 1h40. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Donc ça, on va laisser la console allumée. Faites au moins 5000 pas. Ok, donc là, on va devoir travailler. Donc on fait le parcours. Et détruisez au moins 200 objets. Il y en reste 162. Ok. Et bah ça pourra se faire hors vidéo, vous voyez. Ça, c'est des... Tu peux dire, frère. Ça, c'est des missions qu'on va pouvoir faire tranquillou. Et par contre, en mission de rondée, donc on peut pas, il nous manque des points d'XP. Des points d'XP qu'on pourra faire avec ça. Avec les petites missions de jouer pendant 2 heures, casser des objets, prendre sa mère et la retourner, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc ça, après, c'est pas dérangeant, ça. Dans mes souvenirs, il n'y a pas l'option courir, hein. Ah bah attends. Ah bah si, il y a l'option courir en fait, hein. Je ferme ma gueule la prochaine fois, c'est peut-être mieux, non? Et on fait comme ça et on peut monter? Non. Pas comme dans... Ok. Donc voilà, on fait comme ça. Faudrait trouver Iruka Sensei, hein, pour lui faire des échanges. Là, il y a quelqu'un là-bas, dans le à l'endroit du Hokage. Proche du bureau du Hokage. Voilà, c'est ici.
Alors, qui c'est? Ah, c'est Mogi. Mogi, ouais, voilà. Eh, hey, Naoto, quand pourras-tu jouer avec nous? Konamaru et moi, on veut jouer avec toi. Oh non, frère, c'est le cache-cache qui me casse les couilles. Bon, on va pas le faire pendant cet épisode. C'est encore une farce de Konamaru. Il se cache mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'il progresse, c'est déjà ça. Une nouvelle mission de rendez disponible, les amis. Qu'on pourra pas faire maintenant, mais à mon avis, c'est le cache-cache de Konamaru. Et on gagne 13 points d'ispé en le faisant. Mais frère, il va me casser les couilles avec son cache-cache, ce bâtard. Bah, vous savez quoi, on va se laisser là. Et le prochain épisode, ça va être le cache-cache de Konohamaru, hein. Puis voilà, je pense que ça va être le mieux. Tout simplement. Ce qui va faire en plus grandir notre mission avec les pas, hein. Qui va augmenter la mission avec les pas. Donc je pense que c'est le mieux à faire. Clairement. Donc les amis, nous on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Et à la prochaine pour Naruto Storm. Allez, ciao ciao, mesdames.